Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Branché Infoneur, c'est Mission Chita dans des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info, quelques sacoto branché. Nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Pour Pipiti, il y a deux mounes qui mourent en bas de balle dans la zone post-marchand Balali, avec tout, il y a huit lotes qui blessés en bas de balle. Non, toujours dans la zone post-marchand Balali, mercredi soir pour l'ouvrir jeudi. Donc, ces résultats, ils ont fusillade, n'est qui était à bord d'une machine avec une motocyclette qui était 6 mêmes balles, mais sous monde qui était campé dans la zone ça, qui la cause situation ça. Donc, il y a un citoyen, il y a plusieurs parents victimes qui a témoigné dans Mikono, il y a tout un citoyen qui était victime, disons qui était porté victime au secours, lui-même tout qui a témoigné de situation si là. Président Jovenel Moïse était dans la 75e session ordinaire Nations Unies à hier. Donc, sous tribune Nations Unies, président Jovenel Moïse dit qu'il n'est pas satisfait de coopération, de résultats, de impact, aide internationale là, dans le pays d'Haïti qui dépensait plusieurs milliards de dollars sur environ 10 dernières années. Si là, président Jovenel Moïse plaidait en faveur d'une aide internationale dirigée en fonction de besoins pays d'Haïti. Gagné réaction yo qui pas suspendre tomber sous question formation avec installation nouveau conseil électoral provisoire. Président Jovenel Moïse mettait campé à gagné MOPOD qui c'est mouvement et populaire désaligné. Eh bien, li dénoncé un coup d'État en trois étapes, un coup d'État trois têtes, li dit président Jovenel Moïse a préparé pour jeter pays dans dictature. Donc, une situation, eh bien, MOPOD dénoncé et li dit population pas capable de quitter pays, eh bien, a tombé fond comme ça. Li dit c'est tout pays qui est menacé par rapport avec direction président République la prend Jovenel Moïse. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, la invité avant de rentrer dans l'information d'emblée pour nous dire eh bien invité ou continuer brancher, continuer abonner à canal information sans force côté A de manière à ce que nous capable continuer porter bon gens information frais, clair coup de l'eau pour vous. Ou même qui abonné déjà, nous remercions, ou même qui beaucoup fait ça, bien invitez ou abonnez-vous de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, la privée nous de façon automatique. Jean nous annonce au lit, auditeurs, amis téléspectateurs, chers internautes, eh bien, d'après un témoin avec plusieurs familles victimes qui t'a témoigné dans le micro plusieurs journalistes, eh bien, gagné au moins deux mounes qui mourit dans la zone post-marchand en bas balle avant hier soir avec question zak insécurité qui au même a continué multiplier tout partout dans le pays d'Haïti devant impuissance autorité et bien pour bailler une réponse à situation ça qui lui même a fini avec pays d'Haïti. Gagné deux mounes qui mourit et gagné une qui est le boss Wilner, c'est un boss Ebenis, gagné plusieurs lots et boss tout Ebenis qui prend balle dans zone Balalia côté au fait Ebenis trio dans zone Saivan Mebio. Donc c'est eh bien nèg exam qui t'a passé à bord une machine qui s'y met balle sous yo d'après témoin tout gagné était à bord motocyclette à gros âme dans main yo qui t'a tiré par ci par là qui fait une fusillade eh bien avant hier soir côté yo touyé deux moun gagné un moun qui al mouri sous cabane l'hôpital général donc gagné tout huit lotes qui blessé qui est allé prendre soin sous cabane l'hôpital. Donc un citoyen lui-même qui était témoin événement si là et qui était porté secours par victime yo qui était mené à l'hôpital bien monsieur fait connait et la vie moun pas représenté en rien pour autorité dans pays d'Haïti donc moun pas capable continuer à vivre dans condition si là gagné plaisir moun qui prend balle tout qui témoignait dans micro nous gagné tout
et parents victimes qui dénoncent la situation. Donc nous invitons à suivre, nous invitons à écouter le témoignage plaisir. Hier après-midi, vers 3h, je suis allé à la fête chez moi, 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 je suis allé à la fête chez A qu'on l'a pas souvenu pas avec. C'est pas souvenu tout le monde, pas de problème qui. C'est pas souvenu le fil. Qu'on y a pas qui nous croit. Pas qui moune pour m'dim, pas qui moune pour m'dim. C'est mon nom, c'est le bagage qui fait mal, nous chacun c'est homme. Pas pour nous, pour nous déposer, nous. Il fait le vendredi soir, hier, yeah. Nous cartouche fait là, cartouche à droite, cartouche à droite. Te goumé c'est là pour cartouche, tu mouille les boss l'année, l'année mouille, dame barbecue pour cartouche, te goumé chez les soirées, c'est tout pour cartouche. Au plus mouille. Et puis après, au plus mouille blessé tout. Il y a le sophoté avec l'hôpital général. Bon, quand même, le bâche nous souhait, ça mouille au mouille. Même si l'hôpital privé, vous êtes là. Il y a plusieurs mouilles qui sont victimes. Sauf que vous voyez, vous avez adoré les boss l'année qui mouille. Au plus, tu goumé chez le barbecue là. J'ai l'autre marché de spaghetti, tout pour balle, tout pour le balle. J'ai bossé pour un balle, triple saut dehors, il mourut, il mourut à l'hôpital. Ce n'est pas bon parce que c'est dégagé, nous dégagé, nous sautons dehors, nous dégagé dans la capitale là, c'est comme pour là, c'est comme la banque qui nous met nous. J'ai un pile de boss qui est victime, bon, vous ne savez pas qu'est-ce qui va aller de nous, parce que nous malades, nous couchés, nous ne sommes pas dans le petit, nous ne sommes pas dans le pays. Tant que moi-même qui malade, là, pour un pile cartouche là, pile cartouche, on prend 12, mais qu'il y a la mate là. Il faut que me coule bala quand même manger, me coule payer l'école petite peu. Les gars commencent à tirer depuis haut là, les vêtements là. C'est tout pas bon, tout pas bon. Nous pas venir bouillir parce que c'est là à faire même nous pas venir à faire mon. Parce que même là, et là de nous dégager, nous connaissons que nous connaissons, nous pas connaître rien encore. Si dame de Sida là, on a mis dans les moyens, une machine qui a passé, 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 qui a pass
je vais garder moi. C'est mon appui. On a vraiment mis vraiment les fois pour me courir là. Je me couper là et je garde moi. Je me vends, je garde moi. C'est une balle qui flotte. Mais simplement, je ne vais pas prendre une balle qui va être dedans. Bon, c'est pendant que je garde mes chitas, mes chitas là, je garde moi. Pour y aller, ma courir, je me porte ma prendre là et je garde moi. C'est une coup de balle qui fait. Je me porte pendant que je vends là. Et puis, je me sens pour mieux chaud. Et puis il aime les regarder et puis il aime me regarder moi. C'est état ça pour moi. Toujours Zach insécurité qui a valé terrain en Port-au-Prince. Cette fois ça c'est dans la commune d'Elma. Et bien il y a un porte-parole police nationale d'Haïti et commissaire Michel-Ange Louis Jeune. Et bien il confirmé gagné et disons commissaire ancien commissaire principal Evans Morancy qui lui-même est mort dans la nuit mercredi pour l'ouvrir et jeudi dans la commune d'Elma. Donc ces bandits n'ont pas identifié qui était l'ouvrir coup de zam sous ancien commissaire et bien qui lui-même recevoir plusieurs balles avant de succomber en bas coup de balle li prend yo pendant lui-même il était dans la machine ni. Donc ancien commissaire lui-même l'ité gagné zam sou li, malheureusement il pas gain temps pour te défendre tête li d'après porte-parole police nationale d'Haïti Michel-Ange Louis Jeune nous invite au côté. Bon, merci Evan, c'est un commissaire de police qui était intégré la police là l'année 2002. En 2004, qui t'apprend que la police t'apprend obligé de séparer des lits, et n'a rien pour me tourner sur ça dans l'autre occasion. C'est comme ça, depuis lors, on était occupé de lits dans la question compagnie sécurité privée, et nous t'apprend apprendre, la police locale t'apprend informer nous, que aux environs de 9h, hier soir, il était attaqué par des bandits, et dernier compagnie que nous avons travaillé là-dedans comme directeur technique, c'est compagnie pour ma sécurité. Et l'idée à bord machine, qui c'est un Mazda de couleur grise, qui est immatriculé AA03180. Malgré l'idée qui est en possession, un pistolet, il n'a pas de chance pour réagir. Et par rapport à l'attaque qu'elle a subie, et la police judiciaire avec autorité judiciaire et la justice des peuples précisément, qui était sur place, c'est ça qu'on est capable de constater. Et c'est que lui-même, il était à bord machine privée, un Mazda couleur grise, et il était en possession d'un pistolet de numéro 669 et série TBM 68 et 56. Et c'est ça que la justice de peine en Delma, avec l'autorité policière, était capable de constater, même si, bien entendu, en cas de proximité, il n'y a pas de temps pour être fait, et il n'y a pas de temps pour être rencontré avec des mondes et pour être recueillir des informations. Tout à l'heure, là encore, nous sommes parlés avec le responsable de la police en Delma, et capable de donner plus d'informations. Événements pour ainsi fait dans l'année 70. Et ça veut dire que les avoisinés 50 ans ou bien 50 ans, Jean Doula, il n'est pas dans une promotion directement dans la police là, dans la mesure où son monde qui intégré et la police là, et en 2002, Jean Doula, et il matricule qu'il était dans la police là, c'est 11 PP 02 525, et dans l'heure, il a pas passé par le délit, il était déjà commissaire principal, et Jean Doula n'a bien pour nous retourner et sous ça. Président Jovenel Moïse participe dans la 75e session ordinaire Nations Unies qui fête hier jeudi. Donc, c'est à travers visioconférence puisque pas gagné gros rassemblement à cause question maladie coronavirus là lui-même qui pas permettre ça dans les circonstances nouées kounia à travers le monde. Donc, dans la tribune Nations Unies, à l'occasion si là, le président Jovenel Moïse dit eh ben, il n'est pas satisfait du tout de l'aide internationale, des résultats aide internationale là. Et porté dans le pays d'Haïti, et malgré yo dépensé, communauté internationale a dépensé, disons, plusieurs milliards de dollars pendant 10 dernières années. D'après ça, le président Jovenel Moïse, il fait qu'on est sous tribune Nations Unies. Donc, dans ce sens, chef de l'État,
Eh bien, il dit, et communauté internationale là, il dépense plusieurs milliers de dollars, plusieurs milliards de dollars dans le pays d'Haïti pendant 10 dernières années, ça, mais ça n'a pas empêché, pas gagner résultat qui visible souterrain dans le pays d'Haïti. Donc, c'est pour ça, il invite bailleur de fonds pour investir selon besoin et pays d'Haïti dans le domaine pays d'Haïti lui-même, lui mandé coopération. Président Jovenel Moïse dit, li reconnaître pays d'Haïti plongé dans une crise sans fond et une crise institutionnelle sans fond, et c'est peut-être ça li mettait campé un conseil électoral provisoire qui lui-même a gagné pour le faire élection libre, honnête et démocratique, bien pour pays à retourner dans normalité pressé. En nous suivre déclaration président Jovenel Moïse. Nous voulons des projets qui s'adaptent à nos besoins, qui répondent à nos priorités et qui nous permettent de mettre en œuvre un développement économique axé sur l'humain, sur la production nationale, sur le renforcement des capacités de nos institutions. Nous voulons des projets qui ont un impact positif sur la pauvreté et qui intègrent les enjeux sociaux et environnementaux du pays. Certains bailleurs commencent à comprendre la nécessité de s'allier sur la volonté du gouvernement de la République d'Haïti en ce qui concerne le choix de ses priorités. Nous les félicitons. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, agricoles, électrique, numérique, portuaire, aéroportuaire, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèle à cette tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. L'autre information, nous toujours maintenant dans le domaine politique, et fois ça, eh bien, c'est et réaction yo qui passe suspend tomber après, eh bien, et président Jovenel Moïse décide de mettre campé pour compte li un conseil électoral provisoire pour faire élection, et puis qui a principale mission tout pour que li et fait amendement dans la constitution pays d'Haïti, réforme dans la constitution pays d'Haïti a,
à travers un référendum président Mandel pour le faire. Donc, gagner et MOPOD, qui c'est Mouvement et Populaire des Saliniens, et agronome Jean-André Victor, eh bien, il dénonçait un coup d'État. Et président Jovenel Moïse, il dit, président Jovenel Moïse a préparé en 3 étapes. Donc, pour Jean-André Victor, président Jovenel Moïse perdit tout et contrôle politique dans le pays d'Haïti. Donc, ça qui représentait une grosse menace pour, eh bien, souveraineté pays d'Haïti. Et donc, côté, eh bien, étranger eux-mêmes, il y a four et bouchier par-ci par-là dans les affaires internes pays d'Haïti. Sous Bopal, gagnant, c'est Jean-Louis, lui-même tout, qui c'est un autre responsable dans mon pod, lui fait qu'on est. Dans l'occasion si là, eh bien, MOPOD pas quitter, eh bien, dictati retourner dans le pays d'Haïti encore. Et c'est pour ça, lui mandé pour que, eh bien, peuple lui-même lui lève campé pour le bailler une réponse avec président Jovenel Moïse. Donc, nous invitons à écouter, une après l'autre, agronome Jean-André Victor avec Serge Jean-Louis. Bon coup d'État qu'a préparé là, pour basculer le pays à non dictature. Coup d'état, c'est là, il y a plusieurs phases là-dedans. Bon, première phase qui fait déjà, ou bien nous la donne là toujours, c'est phase machine la mort. Donc, c'est une entrée dans le préparatif coup d'état. En deuxième phase, c'est phase institutionnelle là. Côté que on va mettre en place, c'est un peu bidon. Vous devez faire la constitution, vous avez sorti 200 décrets dans 10 temps qui sont très courts. C'est la phase institutionnelle pour préparer le coup d'État. Et la troisième phase, là, évidemment, c'est la mise en place réelle du coup d'État. À partir de l'élection bidon que vous comptez. Nous-mêmes nous disons, comme nous dans la deuxième phase, la première, étant donné que nous constatons que président pays a perdu contrôle événement politique. Pas ça veut dire perdu contrôle événement politique. Le ou président vous levez main ou prêtez serment pour faire respecter la constitution et pour faire appliquer la constitution. Donc le président, c'est le dernier monde qui t'a doit prendre l'initiative pour changer la constitution. C'est peut-être ça dans la constitution. Hein? Il prévoit ça relève une procédure d'amendement pour la constitution. Qu'on y a, nous dit le président, fait du contrôle l'événement politique. Yo, parce que on le lit en dans la constitution, hein? On le lit derrière la constitution. Hein? Et qu'on troisième le lit cracher sur la constitution. Donc dans une situation comme ça, lorsqu'un chef d'État qui perd du contrôle l'événement politique là, il y a un vide dans la tête de l'État. Vide là, c'est ça maintenant Valérie Le pays n'a pas ni administré ni dirigé. Donc vide ça, classe politique là, société civile là, le ça obligé à rentrer dans la bataille parce que c'est l'intégrité territoriale pays qui est menacée. C'est l'existence du pays qui est menacée. C'est la souveraineté nationale la même qui est menacée. Ou qui est en well d'ailleurs, la souveraineté nationale la tellement menacée. Ou il venait au point qu'on y a, ou joindre tweet cap sauté, cap dit ou, mais qui ça tel ambassadeur, mais qui ça tel l'autre président vle pour le pays. Nous pas qu'à quitter un pays descendre dans le niveau ça. Nous dit le haïtien, il fait camper. Debout. Parce que là, nous n'avons pas pour aucun dictateur. Vous comprenez, dictateur. Comme si nous avons. On dit une folie d'ailleurs. Vous avez un dictateur, comprenez. Il a passé tout le pouvoir. Il met des lambas mêlés. Il écrasait le Parlement. Il écrasait le pouvoir judiciaire. Il écrasait. Il écrasait la présidence. Parce que je dis, la présidence ne descend pas. Il y a des bagailles qui ont parlé aujourd'hui dans le niveau président. Ce n'est pas des bagailles où tu es content de même dans le quartier. La bataille par nous-mêmes dans le niveau de MOPOD là, c'est pour nous goûter, pour nous faire institution, reprendre valeur en tant que tel.
c'est engagement ça, on va être là. Et puis, on va continuer pour nous. Avec, à côté des Haïtiens, que non, sûr, ils peuvent tourner dans la dictature. Très prochainement, nous allons jouer dans la rue, dans la mobilisation citoyenne, dans la politique seulement la gueule, dans toute qualité de monde, parce que toute qualité de monde, victime. Toujours réaction qui a continué à tomber, et le collectif 4 décembre qui réagit, il y a M. Jean-Robert Argan, lui-même qui est responsable collectif 4 décembre, et bien il dit c'est toute société haïtienne qui est menacée, et bien pour disparaître avec ingérence que la communauté internationale a fait, et bien dans la politique interne du pays d'Haïti, avec tout, et bien, et question Jean, président de la République, là, soumis, d'après ça, le dit, soumission, président de la République, là, chef l'État haïtien, Jovenel Moïse, devant caprice, communauté internationale, là, qui rentrait dans une bataille tête baissée, d'après ça, Jean-Robert Agan fait qu'on est, et nous invitons au côté. Il nous faisait sur notre audience, au niveau du collectif 4 décembre, concernant la situation, et le cri d'alarme qu'on a lancé, un cri d'alarme nous lancé pour qui ça? Vraiment, nous constatons ce qu'a fait Jodia, notamment cette tentative, cette volonté exprimée par le chef de l'État d'aller vers des élections dans le pays de Kounia. On nous dit que nous avons une insécurité qui a grossi, des assassinats qui ont perpétré dans toute impunité, des tueries en masse qui ont abandonné une bonne famille, dernièrement, il y a un massacre de population qui a vu de l'air ou qui a été défavorisé, pillage, incendie de maison, ou bon zone dans le pays, ou bonne route nationale qui est contrôlée par des gangs armés qui tolérés pratiquement par autorité. Précarité, c'est-à-dire misère que la majorité de la population vive, le désarroi de jeunes qui parlent devant, l'économie en capchute. Bref, une situation qui ne pas permettre de une ambiance quand on arrive à l'élection. Alors, l'ambiance, ça, comment on voit que malgré la situation, ça, le pouvoir exécutif, là, président notamment, montrer qu'il veut lancer une tête baissée vers l'organisation des élections. Et ça tout semblait que c'est sous influence des dirigeants des pays étrangers ou d'organisations qui déjà décriaient que monsieur allait dans ce sens. En faisant ça, il a exposé toute société nous qui a vécu ici, toute société à une triste et lugubre aventure. Nous nous disons halte là. Nous disons collectif 4 décembre qui se porte voix de nombreuses organisations adhérées à l'idée de société civile citoyenne saine. Nous dénonçons deux bagailles. Premièrement, l'ingérence qui est totalement inacceptable et indécent de représentants de pays, d'ailleurs, qui a défendu l'intérêt par ailleurs, nous dénoncer les gens, ça, tant que nous dénoncer acceptation et soumission qui inouïe de président noir à volonté représentant ça, comme quoi le président voulait oublier que nous étions un État souverain, tant que nous dénoncer deux bagages, ça. Maintenant, dans ce qu'a fait, là, avancé président, côté que, il n'a pas arrêté de créer un conseil électoral, enfin, de désigner un conseil électoral et auquel l'État a responsabilité réaliser l'élection et qui pire changer la constitution qui loi met dans notre pays. Ça, c'est totalement inédit, c'est vraiment pratiquement impensable. Ça veut dire nous qui ça? Dans des positions pareilles, nous disons que nous avons enfoncé de l'illégalité monstrueuse, de l'illégalité.